Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue au Hockey Biofilm. Ici Jonathan Lucie à la description de cette finale catégorie Atom A de la Coupe du Président édition 2015. Les deux équipes qui vont s'opposer aujourd'hui sont les Titans de Vaudreuil-Dorion et les Prédateurs d'HRS. Devant les filets aujourd'hui du côté des Titans, le numéro 49, Logan Wood. Et du côté des Prédateurs, le numéro 20, Joshua Leblanc. À tous, on vous souhaite un excellent match. Les Titans portent l'uniforme rouge et les Prédateurs portent l'uniforme blanc. La mise au jeu n'a pas vraiment eu de gagnant, mais déjà on tente une percée du côté des Titans. La rondelle va à la droite du filet de Leblanc. Les Prédateurs avec la rondelle. Léger. Samène, le tir, bel arrêt. Pas de retour. Gardien Logan Wood qui conserve la rondelle et on va reprendre l'action à sa gauche. À la pointe maintenant. Beau jeu, c'était Martineau. Il s'avance, le tir. Gardien a fait l'arrêt. Dans l'enclave maintenant, encore une fois, on s'avance, le tir du revers. Martineau a deux bonnes chances pour lui. À la pointe, la flèche, il va d'un tir. Ça a touché Ryan Hart qui a voulu bloquer la rondelle avec son gant et ça a dévié par-dessus le filet. Et ce sont les Hawks d'HRS avec une fiche de 13 victoires, 2 défaites et 3 matchs. Pendant ce temps-là, devant le filet, gardien qui a fait un bel arrêt. Et ça a été la première véritable chance de marquer au cours de cette deuxième période et on s'amène à 3 en territoire adverse. Le tir! C'est bloqué par le gardien, pas de retour. Le tir de loin, juste auparavant, il a eu cette chance de marquer. Merci à bien tricoter. À l'embouchure du filet, c'est 57. Montpellier était bien placé, mais n'a pas pu compléter. Par l'avant. Champagne s'avance, il a une ouverture. Le tir, bloqué par le gardien. Et Logan Wood conserve la rondelle. Les deux bonnes chances de marquer au cours de cette séquence pour les Prédateurs. Et les deux provenaient là, à la gauche, c'est-à-dire à la droite du gardien. Il n'a pas été en mesure de bien s'installer du côté des Titans. Mais enfin, on se présente en zone adverse. Martineau. Et le tir derrière, celui de... C'était le 62 de Repentigny. Et Martineau patine bien. Seul de son camp. Une fin. Ça va. Le tir. Oh, est-ce que ça a touché le poteau? Bref, c'était un lancer qui était haut. Le jeu du défenseur qui a bloqué la rondelle. Et le juge de ligne a jugé que celle-ci a quitté le territoire, donc c'est la raison de l'arrêt du jeu. Je crois que la rondelle a touché le poteau. Le long de la bande à son coéquipier, c'était Brown, mais on a manqué de temps. C'est la fin de la deuxième période et c'est toujours 0 à 0. Fuentes échappe la rondelle. Fuentes qui reprend, qui tire. Et le but! Oui, la rondelle! La rondelle s'est faufilée derrière le gardien. Il semble avoir été surpris. Il a bien vu la rondelle qui est passée là, sous la jambière du gardien. Entre le poteau et la jambière. Il n'y avait pas beaucoup d'espace, mais Fuentes qui marque. Et les Titans qui prennent les devants. 1 à 0 à ce début de troisième période. Réception de passe avec le patin, il a été habile. Et on s'avance, le tir et le but! Et Champagne qui marque. Et aussitôt, les Prédateurs qui ramènent les deux équipes à la case départ. Magnifique réception de passe du patin.
Pour le numéro 8, c'était de la Durantelle, laisse à Champagne et un tir puissant, un tir vif du côté de la mitaine. Le gardien battu. Et c'est 1 à 1. La flèche. Tir du poignet. Bloqué par le gardien. Attention, c'est libre. Le tir, là, il n'y avait plus beaucoup d'espace. La casse Maurice qui passe de l'autre côté. Il n'y avait personne. Et Champagne qui vient de marquer. Champagne s'amène avec Robinson. Une feinte. Ça n'a pas fonctionné. Bon jeu de Boucher. Il n'a pas mordu à la fin. Robinson. Il veut revenir devant le filet. Le tir. Et c'est bloqué par le défenseur. La flèche. La rondelle glisse jusqu'en territoire des Titans. On est de retour à forces égales. Intercepté par Champagne. Il a de l'espace. Dans l'enclave. Champagne. Oh, il a échappé la rondelle. Et finalement, ce sont les Prédateurs qui s'avancent. Un tir de loin. Et c'est la fin de la troisième période. Mesdames et messieurs, on s'en va en prolongation. Un but a été marqué de chaque côté au cours de cette troisième période dans son territoire. On s'organise. Belle passe à son coéquipier, à Champagne. Par le centre, attention. Il veut déborder par l'extérieur. Champagne, le tir. C'est bloqué, bel arrêt de Wood. Champagne. Un fort match. Champagne s'avance. Champagne. Protège bien. Le pivot, il est derrière le filet, protège bien, revient devant. A voulu enfiler l'aiguille. Là, il y a un joueur qui est tombé dessus. La flèche s'avance, le tir, ça dévie sur Angèle. Et c'est la fin de la prolongation. Aucun but n'a été marqué. On s'en va en tir de barrage. Ça fait durer le plaisir. Belle arène de Wood. Champagne a opté pour le lancer. Un lancer bas. Et maintenant pour les Titans 51, Florent Martineau. Martineau qui s'avance. Opté pour la fin. Revenu de son côté droit. Mathieu Léger maintenant pour les Prédateurs. Facilement bloqué. Dès les cercles de mise au jeu. Donc un arrêt facile pour le gardien. Et maintenant c'est Noah Fuentes qui a marqué pour son équipe. La feinte, bel arrêt! C'est maintenant Samuel Robinson. Il a opté pour la feinte du revers. L'arrêt facile de la Jambière. Montpellier a semblé échapper la rondelle. Rond numéro 4 maintenant. Et c'est Mathieu Roy. Touche le poteau. Et Alexis Lacasse-Maurice, là, s'il marque, c'est terminé. Bel arrêt! Encore une fois, un arrêt de la jambière droite. Grenier maintenant avec la rondelle. Il rate sa feinte, mais est en mesure de marquer. La rondelle a glissé sous le gardien. Émeric Grenier. Qui marque. Et là, il y a beaucoup de pression sur le 55. Samuel Richardson qui doit marquer pour poursuivre. Sinon, c'est la victoire contre Joshua Leblanc. C'est bloqué.
Victoire des Prédateurs d'HRS. Victoire dramatique en prolongation par la marque de 2-1. Et ils sont les champions de la Coupe du Président, édition 2015, catégorie Atome A. Les deux équipes, les Titans de Vaudreuil-Dorion et les Prédateurs, nous vont faire tout un match. Les jeux qui ont fait la différence, bien, c'est cet arrêt à la fin. Joshua Leblanc. Eh bien, félicitations aux deux équipes qui nous ont offert tout un match. Thank you.